Aujourd'hui, on joue le Stade Rennais. Normalement, une belle opposition. C'est un bon club formateur. On change d'angle, les gars. Vite, vite, prends une décision. Oui. On est chaud. Et grâce à nos qualités, on va le gagner. Ça va être un beau match, quoi qu'il arrive. Donc, ouais, non, c'est cool. Je pense que le résultat va être serré. Allez, les gars, allez, 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 les gars, ah, les gars, ah. Trop d'erreurs. Très rapidement, on est mené 2-0. Très logiquement, parce que sur ce début de match, ils ont été meilleurs que nous. Ariel, sois beaucoup plus haut, mais trop bas. Rennes nous domine, ils font tourner la balle. On était en train de se prendre un vrai score et on vient juste de remonter 2-1. Dans l'envie, ils sont meilleurs que nous. Dans l'agressivité, ils sont meilleurs que nous. Techniquement, ils sont meilleurs que nous. Sur tous les aspects. Donc on attend quoi, nous? On donne le bâton pour se faire battre encore sur la dernière période? Oui, les coachs nous secouent à la mi-temps. Faut trouver les bons mots pour essayer de remobiliser tout le monde. On n'a entendu aucun encouragement. On n'a entendu aucun resserre. Bien, là, ici, là, aucun. Aucune communication. On sait ce qu'il faut améliorer, il faut plus combiner. La solution, c'est en contre-attaque, leur faire mal, parce qu'on a des joueurs très rapides sur les côtés. Allez les garçons, ensemble. Allez, 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 allez. Pas concentré, pas du tout, on est en retard sur quasiment tous les ballons. Donc ouais, après c'est le foot, hein, ça arrive. Bah là en ce moment c'est eux les meilleurs. Les uns et les autres, on n'est pas notre meilleur niveau. Il y a des jours où ça passe, il y a des jours où ça passe pas. On perd 8-5. Bravo. Les gars, leur avait appris quelque chose, j'espère. Après, le score il est anecdotique, il y a 8-5, mais au final, on retient qu'on n'a pas su trouver les solutions au milieu de terrain ou qu'on n'a pas été bon techniquement, qu'on était en dedans en fait. On n'était pas connectés sur le terrain. Je suis un peu frustrée. Ça fait jamais plaisir une défaite. On apprend beaucoup dans l'échec aussi. Oui, on apprend beaucoup dans l'échec, mais c'est sûr que quand t'es compétiteur, c'est vraiment pas la meilleure phrase à entendre. La solution, elle est simple, c'est se remettre à travailler. Il n'y a pas de solution magique, c'est le foot. Et je pense que l'année prochaine, on va les affronter. Et du coup, ça sera une revanche, une très grosse revanche à prendre. Il faut travailler encore plus fort pour revenir encore plus fort.